procès dans la filière café cacao. Le verdict est tombé aujourd'hui. 15 prévenus condamnés à 20 ans de prison ferme. Dans cette édition, cette initiative des jeunes de la commune d'Adjamé. Ils ont investi, vous verrez, le secteur du recyclage de chaussures abîmées. Visite du secrétaire général de l'ONU au Sahel hier mardi à Bamako, capitale du Mali. Ban Ki-moon a appelé à une action concertée pour changer la donne au Sahel. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Pour commencer, ce verdict tombé aujourd'hui concernant le procès dans la filière café-cacao. 20 ans de prison ferme, une condamnation qui concerne 15 sur les 24 prévenus, notamment Angeline Killy, Henri Amouzou et Lucien Tapedo. Ils étaient poursuivis pour abus de confiance, détournement de deniers publics, de faux et usage de faux, d'escroquerie et d'abus de biens sociaux. Le verdict rendu public par le président du tribunal de première instance du plateau Koulibaly Ahmed Souleymane oblige les prévenus au paiement de la somme de plus de 67 milliards de francs CFA à titre de dommages et intérêts à l'État de Côte d'Ivoire. Les prévenus ont tous 20 jours pour faire appel. On évoque à présent cette initiative qui émane de jeunes et qui force au respect. Ils sont de la commune d'Adjamé et pour échapper à l'oisiveté, ils ont opté pour le recyclage de chaussures abîmées, des souliers en mauvais état transformés en chaussures de rêve. Un reportage signé Koné Pargassoro et Michel Digré. Nous sommes à Adjamé, Renault. Ici, Jacaria et ses amis choisissent le métier de recyclage de chaussures en vue de subvenir à leurs besoins. Ce sont des chaussures complètement abîmées et détruites qui sont retravaillées et prêtes pour le marché. C'est des chaussures déjà un peu fatiguées. Maintenant on paye, on les renouvelle un peu pour vendre. Chacun dans son domaine, telle une entreprise organisée, s'attelle à sa tâche. J'ai fait les teintures, je plaque les patins derrière les chaussures aussi. Les chaussures de griffes que les clients m'envoient, quand il y a les petites pannes là-dessus, c'est ce que j'essaie de refaire pour eux. Et fait la couleur, les souliers, les semelles et les bagots. C'est la machine, c'est pour rendre les semelles propres. Les clients, eux, disent être satisfaits de leurs prestations. Ils sont spécialisés dans leur métier, dans leur domaine. Ils connaissent bien leur travail. Tous au chômage, ces jeunes artisans entendent se battre pour avoir de quoi manger et aider leur famille. Ils invitent donc la jeunesse à ne pas rester les bras croisés. Les jeunes qui ne font rien, ne t'assoient pas à la maison matin pour compter sur des gens pour pouvoir manger. Grâce à ça, on paye les écoles des enfants, on paye la maison, on paye courant, facture, de l'eau, on paye tout. Cependant, certains jeunes disent rencontrer d'énormes difficultés. Un coup de pouce de la part des autorités serait salutaire. Pour avoir accès même à le coin, le devanture même est bloqué. Donc vraiment, on demande aide à l'État ou bien ONG qui peut nous aider. Le temps que cette volonté se traduise en réalité, Jacaria et ses amis sont obligés de se contenter de cette petite bâtisse pour gagner leur pain au quotidien. Une foire de produits ghanéens annoncée en Côte d'Ivoire, ce sera à partir du 18 novembre prochain à la Questab au Plateau. L'initiative du Conseil ghanéen pour la promotion des exportations est à sa deuxième édition avec pour partenaire l'ambassade du Ghana en Côte d'Ivoire. Hamza Diaby. 98 millions de dollars US, soit environ 50 milliards de francs CFA. Voilà la valeur des exportations non traditionnelles du Ghana en Côte d'Ivoire pour l'année 2012. Le signe que les relations commerciales entre les deux pays se portent bien. Bonne nouvelle donc, mais les autorités ne comptent pas s'en contenter. Elles envisagent renforcer davantage ces liens économiques et politiques. Le gouvernement ghanéen, par le biais de son ministère du Commerce et de l'Industrie, organise une exposition de produits ghanéens en Côte d'Ivoire, la deuxième du genre. Il existe des liens naturels, culturels et historiques de parenté et d'amitié qui existe entre les peuples de Côte d'Ivoire et ceux du Ghana. Nous nous efforçons de faire de l'exposition solo de produits fabriqués au Ghana un événement annuel. Et cela a pour objectif de servir de plateforme appropriée pour accroître les contacts et améliorer la coopération entre les opérateurs économiques des deux pays.
Cette année, 40 entreprises et industriels ghanéens sont attendus pour exposer. Ils représentent plusieurs secteurs, notamment les produits ménagers et industriels en plastique, les équipements lourds de construction, le matériel pédagogique et les produits de l'artisanat. Cette deuxième édition donc de la Foire des produits ghanéens est prévue dans 2 semaines, du 18 au 26 novembre prochain, à la Questab, au plateau. Lutte contre la déforestation, la Côte d'Ivoire se prépare au RED+. Il s'agit d'un plan dans le cadre du mécanisme de mise en œuvre de la réduction de gaz à effet de serre. 11 pays sont impliqués, mais seulement 3 seront choisis en vue d'un financement. Et la Côte d'Ivoire espère faire partie du trio. Chris Pattern, Hamza Diaby. 2 milliards de personnes dans le monde défrichent chaque année pour produire du charbon de bois, d'après une étude des Nations Unies. À Abidjan, de nombreux ménages y ont encore recours pour la cuisine. Je ne peux pas acheter le charbon parce qu'il n'y a pas eu rien pour acheter gaz. Et pourtant, une réduction du gaz à effet de serre s'impose et elle nécessite des efforts. L'environnement, c'est notre première richesse, c'est notre première source de vie, notre première source de revenus, de nourriture aussi. Et penser vraiment préservation de l'environnement, changer nos habitudes, utiliser du charbon biologique à la place du charbon de bois normal qui contribue à la déforestation de nos forêts. La déforestation, un handicap pour l'économie. Elle provoque les émissions de gaz à effet de serre, une situation qui préoccupe la Côte d'Ivoire. Le pays veut alors adhérer au mécanisme de réduction de ses émissions de gaz, proposé depuis 2005 dans le cadre des négociations internationales sur le changement climatique. Alors, il y a beaucoup à espérer, parce que la Banque mondiale promet un financement d'environ 3 millions de dollars. L'ONURED également a déjà donner son accord de principe pour un financement également de 3 millions de dollars, ce qui fera 6 millions de dollars que la Côte d'Ivoire va obtenir à l'issue donc de la préparation de ce document. Et tout cet argent sera investi dans des projets ruraux avec les populations. Tenu donc d'une réunion d'experts les 6 et 7 novembre à Abidjan pour renforcer la synergie nationale de lutte contre la déforestation. Des nouvelles de l'étranger, tout d'abord en bref, concernant l'assassinat des journalistes de RFI au Mali, au moins 35 personnes déjà interpellées, alors qu'aujourd'hui, Acmi Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué l'assassinat des 2 envoyés spéciaux de Radio France Internationale. Et puis Ban Ki-moon était sur place hier à Bamako, capitale du Mali, au cours de cette première étape d'une visite au Sahel. Le secrétaire général de l'ONU a appelé à une action concertée et urgente. Le Sahel, une mer intérieure secouée par des tempêtes et des convulsions multiples. La description est du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le Mali, son pays, est un concentré de problèmes qui se posent à cet espace géopolitique de plus de 3 millions de kilomètres carrés. Entre autres, pauvreté, insécurité entretenue par des milliers de trafiquants de cigarettes et de drogues, mais aussi par des groupes armés. Le chef de l'État malien plaide pour des actions concertées en vue de régler ces questions épineuses. Aucun État de la région ne peut faire seul face aux problèmes qui nous assaillent. Nous sommes indissolublement liés. La somme de nos efforts sera toujours supérieure à l'action individuelle que pourrait mener tel ou tel d'entre nous. La réunion présidée mardi à Bamako par Ibrahim Boubacar Keïta constitue un temps fort de la tournée du secrétaire général des Nations Unies au Sahel. C'est l'occasion pour Ban Ki-moon de dévoiler la stratégie de l'ONU pour la région. Nous devons dépasser les frontières institutionnelles et trouver le moyen d'intégrer à l'échelle de la région les initiatives portant sur la situation politique, la sécurité, le développement et l'aide humanitaire. Le plan onusien vise aussi à coordonner les actions menées par toutes les institutions qui interviennent au Sahel. Il s'agit notamment de la stratégie mise au point il y a 3 ans par les pays de l'Union européenne ou encore celle présentée récemment à Washington par les membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. En République démocratique du Congo, l'armée a obtenu, on le sait hier, une victoire historique contre la rébellion. Le M23, qui dit vouloir se transformer en parti politique, réclame un accord politique avec Kinshasa, mais pas sûr que le gouvernement congolais soit favorable à cette éventualité.
Les mutilations génitales féminines toujours pratiquées dans certaines contrées africaines. En Ouganda, le combat est difficile. Le district de Moroto, au nord-est de l'Ouganda, près de la frontière avec le Kenya. Ici vivent les Karamojong. Comme chaque année, ils se sont parés de leurs plus beaux habits pour une journée de célébration de leur culture. C'est ce jour qu'ont choisi des membres de la communauté pour sensibiliser sur l'excision. Une pratique interdite en Ouganda depuis 2009. Et pourtant, la mutilation génitale concerne encore de nombreuses femmes dans cette région. Les discours préconisent de mettre fin définitivement à l'excision. Le message commence à passer. Clémentina est la mère de 4 filles et d'un garçon. Ses 2 premières filles ont été excisées avant l'interdiction. Aujourd'hui convaincue que cette pratique n'est pas bonne, elle a pu empêcher in extremis la mutilation de sa 3e fille. Quand je suis arrivée, ma fille attendait avec les autres. Je l'ai ramenée à la maison et je lui ai expliqué que l'excision mettait sa santé en danger et que la loi l'interdisait. Et puis je lui ai dit, regarde-moi, je suis ta mère et je n'ai jamais été mutilée. Le message commence même à passer auprès des hommes de la communauté. Moi, je veux une femme en bonne santé. Et si vous êtes excisée, vous n'êtes pas en bonne santé. Les campagnes de sensibilisation menées par certaines ONG et relayées par les leaders traditionnels portent leurs fruits. Le nombre de femmes excisées est passé de 1000 à 15 par an en 2013 dans la région de Karamoja. En bref, la Grèce tourne au ralenti après 6 années de récession avec plus d'un quart de la population active au chômage. Les Grecs n'en peuvent plus. Une grève générale de 24 heures a été décrétée aujourd'hui par les syndicats des secteurs privés et publics. Aux États-Unis, la ville de New York a un nouveau maire. Le démocrate Bill de Blasio succède au milliardaire Michael Bloomberg. Le démocrate Bill de Blasio a été facilement élu maire de New York. Cet Italo-américain de 52 ans affiche des idées solidement ancrées à gauche, de progrès et de justice sociale. Et pour les porter, il s'est notamment appuyé sur sa famille, une épouse afro-américaine et des enfants métis. Son élection, qui met un terme à 12 ans de règne du milliardaire Michael Bloomberg, marque donc une rupture et suscite beaucoup d'attentes. Il prendra ses fonctions le 1er janvier prochain. Et ces explosions aujourd'hui près du siège du Parti communiste, nous sommes dans le nord de la Chine. L'attaque intervient 10 jours après un attentat à la place Tiananmen à Pékin. Un mort et 8 blessés en Chine dans une série d'explosions de petits engins déposés près du siège du Parti communiste de la province du Shaanxi dans le nord. Selon les enquêteurs, il s'agirait de bombes artisanales. Si les manifestations sont désormais courantes en Chine, où le régime met pourtant toujours l'accent sur sa stabilité, les incidents de ce type visant les locaux du Parti unique sont très rares. Ces explosions interviennent 10 jours après un attentat place Tiananmen à Pékin, où un véhicule a foncé dans la foule avant de prendre feu. Et puis pour terminer, le secrétaire d'État américain est en mission au Proche-Orient. John Kerry tente de relancer les négociations. Après l'Arabie Saoudite, le secrétaire d'État américain a entamé hier soir en Israël la 2e étape tout aussi délicate d'une tournée en urgence dans la région. Dès son arrivée, il s'est rendu à l'endroit où l'ancien Premier ministre Yitzhak Rabin avait été assassiné pour avoir signé les accords d'Oslo avec Yasser Arafat en 93. Plus qu'un symbole, une injonction à faire la paix assortie des assurances indispensables. Je suis venu ici sans aucune illusion sur les difficultés. Mais je suis venu ici déterminé à travailler avec les dirigeants, le Premier ministre et le président de l'autorité palestinienne pour essayer de trouver une issue. Nous continuerons à travailler, mais je promets aux Israéliens que l'Amérique sera toujours aux côtés d'Israël à chaque étape du chemin. Relancé laborieusement en juillet dernier, après 3 ans d'interruption, les négociations israélo-palestiniennes sont à nouveau entrées dans l'impasse des colonies. Israël a en effet lancé dimanche un nouvel appel d'offres pour la construction de 2000 nouveaux logements en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, provoquant le blocage. Benjamin Netanyahou en a aussitôt attribué la responsabilité aux Palestiniens. Je suis inquiet pour les progrès parce que je vois que les Palestiniens continuent leurs provocations, continuent à créer des crises artificielles, continuent à louvoyer pour fuir les décisions historiques dont nous avons besoin pour accomplir une paix
authentique. John Kerry s'est ensuite rendu à la Mukataa à Ramallah pour y rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas. Une rencontre contestée cette fois-ci dans les rues de Gaza et de Bethléem par des Palestiniens brandissant des banderoles sur lesquelles on peut lire « Pas de négociation tant que les colonies se développeront ». Et c'est ici que prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur RTI 2.